Oui. OK. Oui. Oui. Juste rapidement, c'est que si je veux parler à propos de la correction du devoir, OK. Je devrais parler à qui? Mais d'abord, à celui qui a corrigé. Ça dit pas. Ça dit toujours en ligne, dans la boîte, ça dit en bas, je leur demande de mettre leur nom. Ah, ben, c'est. Envoie-moi un courriel, je pourrais regarder, ça me dit pour moi, mais OK. je suis pas mal certain qu'il est là. Oui, il faut que je commence. OK. OK, après le cours. OK, donc je vais débuter parce que j'ai pas mal de choses à présenter. S'il vous plaît, puis ce que je veux présenter, je le trouve important après ces choses-là, là, après mes petits messages. OK, on va peut-être commencer avec les choses moins importantes, juste pour attirer votre attention. En m'en venant, j'ai vu les annonces de. Il y a une foire avec des poutines sur le campus. Bon, il se trouve que j'aime ça, de la poutine, là, mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Je trouvais que, clairement, la publicité s'adresse aux informaticiens. Goûter, répéter, goûter, répéter. Sauf que, clairement, ce n'est pas un informaticien qui écrit ça, là. Il y a une boucle infinie là-dedans. Il n'y a pas de test de fin. Null pointer exception. Ouais, OK. Donc, ça, c'était mon petit truc pour obtenir votre attention. Ensuite, plusieurs choses. Première chose, j'ai publié sur le site Piazza un sondage dans lequel je vous demande de cliquer, puis c'est peut-être, j'aurais dû indiquer plus clairement dans mon message, sélectionner toutes les dates où vous êtes disponible et où vous seriez prêt à venir faire votre tour pour une séance préparatoire pour l'examen final. Donc ensuite, je vais regarder les résultats. Ça ressemble à ça pour l'instant. C'est quasiment distribué uniformément. Puis je vais sélectionner les temps qui sont les meilleurs dans tout ça. OK, donc ça, c'était un petit message du jour. L'autre message du jour, ce serait quoi? Ah oui, il y en a un qui était pour les examens, j'ai publié les questions en français et en anglais, puis les solutions de l'examen intra de cette année. Donc, si vous voulez leur affaire, regardez la solution, c'est là. Il y a une échéance ce soir pour le devoir 4, si jamais vous ne l'avez pas fini. C'est important. Est-ce qu'il y a des gens curieux qui ont fait ça? Oups! Alors, devoir 5 est là. Avec des éléments sur une façon de comparer des textes efficaces qui s'appelle les n-grammes. Google utilise ça pour faire des comparaisons efficaces. Dans tout ça, rassurez-vous, c'est moi qui a. Ben, je me suis gardé le plus de fun, disons. Depuis vendredi, j'ai programmé 1400 lignes. Puis je vous demande, j'en ai retiré 260. Puis je vous demande donc d'inclure 260 lignes de code dans mon 1400. Donc, je n'ai pas voulu partager tout le plaisir. J'ai écrit beaucoup de choses pour vous. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle une table de fréquence. On fait une implémentation à l'aide d'une structure linéaire, une implémentation avec des arbres, sujet qu'on voit la semaine prochaine. Il y a une question de récursivité qu'on voit jeudi. Puis il y a quoi aussi? C'est pas mal ça. Ah oui, puis il y a les itérateurs qui est le sujet du jour. OK, donc c'est là. J'hésite un peu à vous dire dès maintenant à partager avec vous un certain message, mais je l'ai déjà partagé avec
quelques heures. À la fin du semestre, je prends tout le temps les quatre meilleurs de cinq devoirs pour calculer la note finale. Ce serait vraiment bête de ne pas faire le cinquième, parce que c'est une excellente préparation à l'examen final. C'est tout le temps un peu le thème du dernier. On touche à des sujets comme les itérateurs, la récursivité, les listes doublement chaînées, des sujets qui, c'est sûr, vont être dans l'examen final. La raison pour laquelle je prends les meilleurs 4 de 5, c'est que je pense que ça arrive à tout le monde de faire une bêtise. Vous avez soumis les mauvais fichiers, vous avez soumis une archive, il manque un fichier. Donc, c'est une façon équitable pour tous. Ça donne à tout le monde une seconde chance à un certain point dans le cours. Okay? Donc, aussi, ça enlève un peu de pression sur le dernier travail. OK, donc, échéance, publication du devoir 5. Donc, officiellement, je vais le rendre disponible demain. On a parlé du sondage sur Piazza. Donc, je suis prêt à me lancer dans mon sujet du jour. Comme je vous ai dit, j'ai un agenda assez chargé. On va les faire causer à nouveau. OK, donc j'ai un agenda assez chargé d'un sujet qui semble pas intéresser certaines personnes derrière. D'un sujet que je trouve très intéressant à plusieurs niveaux. C'est intéressant parce que ça va vous faire vraiment réfléchir très fort sur les idées d'orienté objet. Donc, c'est un concept qui illustre de façon excellente, à mon avis, l'orienté objet. Ça va vous demander de penser orienté objet. Deuxièmement, ça fait appel de façon intuitive, sans le faire de façon formelle, à ce que vous allez apprendre en structure de données, CSI 2510, c'est-à-dire la complexité du calcul, qui est un des sujets qui vraiment définit, qui fait la différence entre un informaticien, puis peut-être ce qu'on pourrait appeler un code monkey, quelqu'un qui sait coder, mais qui n'a pas nécessairement une formation dans le sujet. Entre autres, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un calcul qui prend 4,1 heures de temps CPU sur probablement mon ancien laptop, pas celui-là. Donc, 4 heures de calcul, puis on va ramener ça à quelques millisecondes. Donc, on va vraiment avoir une accélération importante. Si vous travaillez pour une compagnie, bien, ça fait une différence. Un jeu vidéo qui prend 4 heures, une fois qu'on tourne la scène, puis ça prend 4 heures à rafraîchir l'écran, vous n'allez pas en vendre plusieurs copies de ce jeu-là. Puis, on va tout faire ça de façon élégante au niveau de l'orienté objet. Donc, c'est le fun. On fait de l'orienté objet, on fait ça de façon sécuritaire au niveau des types. On prend quelque chose qui prend 4 heures de calcul, puis on ramène ça à vraiment, littéralement, des millisecondes. Donc, ça, c'est mon plan de match. Je vous présente le problème. On va commencer, tiens, avec l'interface. Donc, on parle de liste chaînée, on parle d'une implémentation de cette interface-là où il y a des méthodes pour ajouter, retirer des éléments, accéder aux positions intermédiaires. L'argument va vraiment, ou les arguments vont vraiment pas changer selon que c'est une liste simplement chaînée, doublement chaînée, circulaire, avec un nœud factice. L'argumentation va être la même. Ce n'est pas important. Donc, ici, j'ai choisi d'utiliser l'implémentation doublement chaînée, mais j'aurais pu prendre simplement chaînée, les temps de calcul. Tout ce qu'on va dire va demeurer pareil.
Donc, j'ai cette liste-là. Donc, je vais amener ça ici. J'ai une implémentation. Comme je vous ai dit, dans ce cas-ci, j'ai choisi d'utiliser celle qui est doublement chaînée. Et si on regarde le constructeur, bien clairement, c'est aussi celle qui a un nœud factice. Le nœud factice est créé dans le constructeur et on rend la liste circulaire ici. Je vais juste refaire l'indentation parce que j'avais utilisé un programme différent pour éditer ça. OK. Je vous propose un petit test. Donc, j'ai une méthode test. Elle est à l'intérieur de la classe Linked List. Ce qu'elle fait, elle compte le nombre de positions où il y a une référence qui est nulle. Ce qu'elle fait, c'est vraiment pas important, la méthode. J'ai vraiment cherché juste un exemple où je voulais qu'il y ait un petit calcul qui soit fait dans ma boucle. Donc, j'ai une méthode, puis tout ce qui est important, c'est qu'elle va traverser la liste du début à la fin. Donc, current est égal à head.next. Le nombre d'itérations va être proportionnel à la taille. À chaque tour de boucle, je fais une certaine opération. Ce que c'est vraiment pas grave. Je me déplace, je m'en vais jusqu'à la fin. Puis ce qu'on va vouloir faire, c'est comparer le temps de calcul de cette méthode test avec une autre méthode test qu'on va écrire à l'extérieur de la classe Linked List. Donc là, j'ai un test ici. Ah, allez, Marcel. OK. Non, ça c'est IMAX, c'est pas bon. OK, ça. C'est pas bien long. OK, là voilà. OK, de la même manière, je vais refaire l'indentation de ce code-là, comme ça. OK, donc j'ai une classe test ayant une méthode principale. Soit que l'utilisateur me passe le nombre d'itérations à faire sur la ligne de commande, ou soit que j'ai une valeur par défaut. Je crée un objet de la classe LinkedList, puis ici j'ai mis le type des éléments, c'est integer. J'ai une boucle où je vais ajouter des éléments. Donc, si on a le paramètre par défaut, je vais ajouter 100 000 éléments dans ma liste. Et je fais un appel à ma méthode test. Avant de faire l'appel à la méthode, je démarre un chronomètre, j'appelle System NanoTime, il me prend le temps en nanosecondes. J'exécute la méthode, puis à la fin, je reprends la valeur System NanoTime, je compare ça avec le temps de départ, puisque ça me dit c'est le temps de calcul. Combien de nanosecondes ça a pris pour faire ce calcul-là? Ça vous va jusqu'à maintenant? Je vais aller sur mon bureau, je vais aller dans le répertoire A, je compile ça. J'exécute mon test. C'est pas mal vite, c'est quasiment instantané. On va faire maintenant avec 200 000 éléments, c'est assez vite. À chaque fois, je vais doubler 400 000 éléments. 800 000, 1 600 000, 3 200 000 éléments,
6 400 000. OK. Non. Je me suis rendu jusqu'à 6 400 000 éléments sans trop fatiguer, sans trop perdre patience. Là. Ça n'a pas pris trop de temps. Ça vous va? Je veux faire la même chose, mais de l'extérieur. Je vais donc mettre ça en commentaire. Je veux visiter chacun des éléments de la liste. Donc, c'est la même liste, là, vraiment. On va refaire l'indentation. OK. Comment est-ce que j'accède aux éléments de la liste lorsque je suis à l'extérieur de l'implémentation? Oui. Ça va être get. Il n'y a aucune autre méthode qui est intéressante ici. Donc, c'est tout simplement get. Donc, xs.get de i, je vais accéder aux éléments tour à tour, puis je vais compter le nombre de références nulles. Il devrait en avoir 0. On va compiler à nouveau pour s'assurer que c'est correct. Puis là, il faut essayer de prédire ce qui va se passer. Est-ce que ça va être plus lent? Beaucoup plus lent? Pourquoi plus lent? C'est les questions qu'il faut se poser. Ah, tiens, c'est un peu plus lent, là. OK. C'était 100 000. Moment dramatique. C'est long, hein? Excellent. On va-tu s'acheter une poutine? Hey, c'est long, bien long. Mon Dieu, que c'est long. OK. Ah! Oh! Oh! C'est long, ça, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est lent comme ça? Je vais modifier le code pour afficher des choses pour que tout le monde on comprenne bien ce qui se passe. Print, donc pas println. XS.get de i. À la fin ici, system out print line. Non, je veux juste afficher ça. Je te fais des erreurs? Non. Je vais aller dans le code ici. Je vais aller dans ma méthode get. System out print. Je vais afficher un point. À chaque tour de la boucle for qui est à l'intérieur de la méthode get, je vais afficher un point. Ici, j'affiche, pour que ce soit joli, on va se mettre un espace là, print, print line à la fin. Je recompile tout, Java C, étoile.java. Là, pour notre test, là, on va vraiment pas utiliser 200 000. On va utiliser 20. Essayez de prédire, qu'est-ce qui va être affiché à l'écran? Qu'est-ce que ça va avoir l'air?
Est-ce que vous aviez pensé que ça allait avoir l'air de ça? Est-ce que ça nous aide à comprendre ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui? Tu avais levé ta main la première fois. J'imagine que tu n'as pas changé d'idée. Non. Okay. Donc, chaque fois que je fais un appel à Get, là, la méthode Get a fait, es-tu sérieux? Elle s'en va au début. Current égale à head. Current égale à current.x, puis elle se déplace jusqu'au point. Il y a un autre appel à Get. Elle dit, t'es pas sérieux, là. Elle retourne au début. Current égale à head. Current égale à current.x. Se déplace. S'en va jusqu'à l'élément n. Puis là, il y a un appel à get de n plus 1. On s'en retourne donc au début. Current égale à head. Current égale à current.x. On se déplace, on se déplace, on se déplace, on se déplace, on se déplace. On arrive à l'élément n plus 1. Et on a l'élément ensuite. On va avoir un appel à get de n plus 2, évidemment. OK, donc. Est-ce qu'on voit bien ça dans les temps de calcul? OK, donc je vais essayer de trouver. Ma table. Donc ici, j'ai A, c'est l'implémentation où on est à l'intérieur de la classe linked list. Ça ici, ça correspond à l'appel xs.test. Et ça ici, ça correspond aux multiples appels xs de get de i. Ce qui est clair, c'est que dans les deux cas, on a fait vue de l'extérieur le même travail, puis je vais mettre ça en guillemets. Même travail dans le sens où on a parcouru la liste dans le but de compter le nombre de références nulles. On a fait la même chose. Alors, si vous regardez ici, quel genre de relation mathématique est-ce qu'on observe? À chaque fois que je double la longueur de la liste, qu'est-ce qui se passe avec mon temps de calcul? Le temps de calcul double. Puis ça semble assez logique. J'ai une liste, ça me prend un certain temps de calcul. J'ai une liste qui est deux fois plus grande, ça me prend deux fois plus de temps. Qu'est-ce qui arrive avec l'implémentation qu'on utilise get de i? Non, il n'y a pas d'exponentielle ici. Fois 4. Qu'est-ce que fois 4? 2 à la 2. Le temps de calcul ici est proportionnel au carré du nombre d'éléments. Si je double, 2 à la 2, ça fait 4. Je multiplie le temps de calcul par 4. Ça peut sembler peu. Ah, quand la méthode, lorsque je suis à l'intérieur, prend un temps linéaire, c'est-à-dire que si je double la taille de la liste, le temps de calcul double. La deuxième implémentation a un temps de calcul qui est n carré, qui croit comme le carré de la taille de l'entrée. Ça peut sembler peu, fois 2 la taille, fois 4 le temps de calcul, sauf que on voit que pour une liste de 1 280 000 éléments, je peux faire le calcul très facilement en 5 millions de nanosecondes, ce qui est pas mal vite.
alors que ça me prend 45 minutes, ce qui est vraiment inutilisable dans la plupart des cas. OK, donc, tout ça parce que il fallait repartir du début à chaque fois. On fait get de 0, get de 1, get de 2. Et chacun des appels à get a un temps de calcul qui dépend de la taille des éléments qui sont présentement dans la structure de données. On a introduit une dépendance au nombre d'éléments. Puis dans ce cas-ci, ça fait en sorte que si on fait les maths, on se ramasse avec un temps de calcul qui est le carré. Donc, on a un temps de calcul qui croît comme le carré du nombre d'éléments. C'est pas super bon. Évidemment, on ne va pas proposer une solution bête. Okay? On a une certaine dignité, on veut de bons emplois. On ne va pas dire « Ah, ben je vais mettre « current public ». On ne veut pas faire ça. On ne veut pas donner accès à la liste. Mais on veut faire la même chose. On veut faire un peu la même chose. Donc, je vous propose un concept qui est assez intéressant. Qui est assez intéressant parce que c'est uniforme en Java. On peut utiliser le concept qu'on va appeler itérateur sur des listes, sur des arbres. C'est une façon homogène de traverser les structures de données. C'est intéressant parce qu'on va faire ça de façon sécuritaire au niveau des types, au niveau de l'orienté objet, on ne va pas exposer la liste. Qu'est-ce qui est notre problème? Quand on est à l'extérieur, puis j'ai obtenu la valeur à la position i, qu'est-ce qui est le problème? Je vais faire « get de i plus 1 ». Qu'est-ce qui est embêtant dans ce processus-là? Oui? On n'a pas mémorisé l'endroit où on était. Puis à chaque fois dans ce processus-là, à la prochaine itération, on veut accéder au prochain élément. On veut inventer un mécanisme qui, pour moi, ressemble à des signets, des bookmarks. Imaginez ça. Je place mon signet au début de la liste. J'y dis, donne-moi le premier élément. Il me donne le premier élément, puis il mémorise l'endroit où il est. Je dis au signet, donne-moi le prochain. Il se tasse d'une position, il me donne l'élément. Je dis à ce mécanisme-là, je veux le prochain. Il se déplace d'une position, il me donne l'élément. Je veux le prochain. Il se déplace, me donne la valeur se trouvant à la prochaine position. Okay, donc, on veut un mécanisme tel que ce mécanisme-là va mémoriser une position de la liste. Clairement, quand je dis une position, je ne parle pas « Ah oui, l'entier qui correspond ». Ça ne sert à rien. S'il a mémorisé, le dernier élément était l'élément 5, puis que je lui demande de me retourner l'élément 6, bien, il va repartir du début. Donc, qu'est-ce que je souhaite mémoriser dans ce cas-ci? Node. Je veux… Idéalement, là, ou ce qui fait que notre implémentation à l'intérieur est rapide, c'est que à chaque tour de boucle, j'ai une certaine variable, elle désigne un élément, je dis je veux le prochain. Déplace, prends la valeur. Déplace, prends la valeur. J'ai une référence vers un objet de la classe Node. On peut l'appeler current. Est-ce que de l'extérieur de la classe linked list, je peux déclarer une variable de type node? Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Node est une classe imbriquée, statique, de la classe linked list. De l'extérieur, je ne peux pas y accéder.
de l'extérieur, pour initialiser cette variable current-là, il faudrait que je dise current égale à head. Head est une variable d'instance privée. Il est impossible de l'extérieur d'initialiser une variable current pour qu'elle pointe vers l'objet désigné par head. Je veux créer des objets qui, eux, auront une variable d'instance current. C'est ces objets-là que je vais utiliser comme signets. Si j'ai besoin de deux signets, I et J, j'aurai deux variables références vers des objets que j'ai appelés des signets pour l'instant. Ces objets-là, comme vous allez voir dans une seconde, ils vont avoir deux méthodes. Ils vont avoir une méthode hasNext, qui retourne un booléen, qui nous informe si un appel à la méthode next fonctionnerait. Je peux demander à l'objet i, as-tu un suivant? Il va me dire, ben oui, je ne suis pas en fin d'itération. Donc, i.hasNext est présentement vrai. Je fais un appel à la méthode next de l'objet désigné par i. Cet objet-là va dire, moi, current pointe vers cet élément-ci. Je vais prendre current.next et sauvegarder ça dans current. Puis, je vais retourner current.value. Okay, donc, j'ai un objet, possède une variable d'instance current de type node. Chaque fois qu'il y a un appel à next, j'ai simplement à faire current égale à current.next. Je me déplace, retourne current.value. Je propose une première implémentation de ça si ça vous va. OK, donc je vais aller dans. Je vais enlever ça. Je vais aller dans B. Donc, je vais décrire l'idée de l'itérateur, de ce fameux signet-là, bookmark-là, à l'aide d'une interface. OK, donc, l'interface iterator décrit le concept dont je vous ai parlé. Un itérateur est quelque chose d'assez simple. C'est un objet qui possède une méthode next et une méthode hasNext. Assez facile d'utilisation. L'itérateur, au début, est positionné devant le premier élément. Donc, je vais trouver un petit diagramme, puis je vous reviens dans une seconde. Il y en a un qui a des couleurs dedans, qui est assez efficace. Donc, j'ai l'interface iterator qui définit ce concept-là. Le contrat ici est que si j'ai une liste qui contient les objets 0, 1, 2, 3, 4, quand l'itérateur est créé, il est au début de la liste. Il est devant l'élément 0. Je demande à l'itérateur, est-ce qu'il y a des éléments à retourner dans cette liste-là? Donc, hasNext. Il me dit oui. J'appelle next. Il me retourne le 0, puis il s'est déplacé. Conceptuellement, il est entre les deux. Okay, c'est clair qu'en programmation, là, on ne peut pas avoir une variable à pointe entre deux objets. Ça ne se peut pas. Dans notre tête, si on l'imagine entre les deux, il est beaucoup plus facile de l'utiliser puis de l'implémenter. Je demande, est-ce qu'il y a des éléments dans l'itération? Il me dit, ben oui, il y en a. J'appelle next, il me retourne le 1. Est-ce qu'il y a des éléments dans l'itération? Ben oui, j'appelle next, il me retourne le 2.
y a-t-il des éléments dans l'itération? Has next? Il me dit oui. J'appelle next, il me retourne le 3. Est-ce qu'il y a des éléments dans cette itération-là? Oui, il y en a. J'appelle next, il me retourne le 4. Je lui pose la question à nouveau. Est-ce qu'il y a des éléments dans cette itération-là? Non. Si je ne le crois pas, puis j'appelle la méthode next, il me lance une exception. No such element exception. Tu t'es essayé d'aller dépasser la frontière du nombre de nœuds disponibles. Ça vous va? On retourne dans le code. Donc, j'ai ma classe linked list qui possède... OK, je vais réindenter tout ça encore une fois. C'est pas joli. Puis j'aime ça quand c'est bien indenté. Reindent. OK, donc j'ai ma classe imbriquée statique node, qui sont les éléments de la liste. Je vais implémenter l'itérateur comme étant une autre classe imbriquée statique. OK? Donc, j'ai besoin de ce que je vous ai montré sur mon diagramme. Je vous ai dit, il y a des variables current. On ne peut pas donner des variables comme ça à l'extérieur de l'implémentation linked list. Je leur fais des petits paquets, je les mets dans des objets list iterator. Un objet list iterator possède une variable d'instance current de type node. C'est un objet de la classe list iterator qui va implémenter l'interface iterator. Ça veut dire donc qu'un objet linked list iterator possède une méthode hasNext puis une méthode next. Ma méthode next, c'est vraiment ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Un itérateur pointe à un certain endroit de la liste. Chaque fois qu'il y a un appel, les choses se passent dans l'ordre suivant. Je me déplace, je retourne. Appel à la méthode next, déplace, retourne une valeur. Là, je suis à l'extérieur de la classe, donc si je rapetisse les choses un peu pour que vous ayez un peu de perspective. La classe linked list iterator, elle est en couleur ici, elle est sélectionnée. La classe linked list possède une méthode iterator qui, quand on l'appelle, va retourner un objet linked list iterator, et celui-là, c'est l'itérateur en question. Là, je n'ai pas eu la bonne idée de me créer un test. On va en créer un. Alors, public class test, comme ça. Public static void main string args, comme ça. On va sauvegarder ça dans test.java. Je vais aller me déplacer ici. Je vais aller dans mon répertoire B. Java C. Ça compile pour l'instant. Je vais aller voler un peu de code à mon test de tout à l'heure. En fait, j'essaie de voler à peu près tout. Alors, est-ce que ça va compiler? Donc, nombre d'itérations, j'ai ma liste, j'ajoute des éléments.
On ne veut pas appeler le test. C'est pas ça le but ici. OK. Ben là, ça ne marchera pas comme ça. La façon que ça va marcher, ça va être iterator. Ici, les éléments de la liste sont des entiers, of integer. Je vais l'appeler i. I est égal à xs.iterator. Je demande à la liste, retourne-moi un signet, retourne-moi un objet itérateur. L'appel à la méthode iterator, crée l'objet linked list iterator, puis me le retourne. Je vais faire, tant qu'il y a des éléments dans cette itération, i.hasNext, je me déplace. Tout à l'heure, ce qu'on faisait, c'était si la prochaine valeur, donc i.next, appel de méthode, égal nul, n++. OK, donc, c'est ma proposition. I est une variable référence de type interface, l'interface itérateur. J'appelle la méthode iterator de l'objet désigné par XS. Il me crée un objet linked list iterator qui implémente l'interface. À cet objet-ci, je demande, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans l'itération? S'il me dit oui, j'appelle next, ça va me retourner le prochain élément. On va voir si ça compile encore ces choses-là. Ah, on n'a pas de méthode addLast. OK. J'en ai une que j'ai ajoutée dans cette implémentation-ci. J'avais oublié de faire ça. addLast. OK, on va cannibaliser ça. Voilà, à la fin, add first, ça, on réindente le code pour que ce soit joli et lisible, compile, OK, ça compile. Ça compile, mais vous avez vu que j'ai laissé deux endroits dans le code à compléter. Je vous demande de penser à ce qu'on devrait avoir dans le code pour le constructeur. Pour vous aider, je vous montre un exemple. OK. Je trouve mon crayon. OK, crayon est là. J'efface ce qui est sur mon diagramme. Clear. Yes. OK. Si XS est une référence vers cet objet-ci, j'avais dit XI est égal à XS.iterator. J'ai appelé la méthode iterator de l'objet désigné par XS. Celui-là a créé un objet linked list iterator qui possède une variable d'instance current. Son constructeur, pour l'instant, il ne fait rien. Et le résultat de l'appel à la méthode iterator, la référence de cet objet-là, je vais la sauvegarder dans i. Où est-ce que current devrait pointer lorsque l'itérateur est créé? Oui. Avant le premier, ce serait là. Quel énoncé me permettrait d'initialiser current à cet élément-là?
Donc, je suis dans mon objet ListIterator. Je veux initialiser current. Où est-ce que je veux qu'il pointe? Ahead, hein? Has next. Dans quelles circonstances on va dire que on peut faire un appel à next? Pardon? Head.next différent de nul. Je suis dans une implémentation circulaire. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on aura head.next égal à nul? Jamais. Quelles conditions seraient vraies? Comment est-ce qu'on détecte qu'on a atteint la fin? J'aime pas utiliser les nuls comme ça. Je trouve pas ça élégant. Head.next va pointer sur head. Head, c'est l'élément qui... Head désigne le nœud factice. Quand current.next égale à head, j'ai atteint la fin. Si ma liste était vide, ben j'ai déjà que current.next égale à head. Il n'est pas possible d'itérer dans cette liste-là. Donc, return current.next égale head. Ça marcherait. On dirait que ça marcherait. Ça vous dirait-tu, ça? Vous êtes un. Évidemment que ça va être non, parce que je ne ferais pas un suspense comme ça. Là. Il n'y aurait pas les. On entend les roulements, là. Ça va être non. Ça va être non. Pourquoi? Vous êtes un compilateur, là. Vous êtes en situation d'examen. Il y a une question comme ça. On vous montre le code, puis on vous dit. Ça ne compile pas, trouvez l'erreur. Là, vous commencez à suer un peu. Moi, j'adorais les examens quand j'étais étudiant. La plupart du temps, mon cerveau, je m'en vais dans ma petite place où je fais rien, je suis un gars, fait que je fais Mais quand il y a les situations d'examen, là, ça tourne là, à vitesse de la lumière, je trouve ça super le fun. Qu'est-ce qui va clocher dans ça? Voici le message d'erreur. Pour ceux qui seraient derrière et qui ne verraient pas très bien, je vais essayer de monter la fenêtre un peu, puis possiblement de la rapetisser. OK. Le message est, dans la classe LinkedList, dans la méthode, dans le constructeur, je ne peux pas accéder à la variable head. Je suis dans un contexte statique. Je ne peux pas accéder à une variable d'instance. Je ne suis pas dans un contexte d'instance de la classe linked list. De la même façon, dans ma méthode hasNext, qui est une méthode dans la classe LinkedListIterator, je ne peux pas accéder à ça. Je propose une première solution, puis elle serait bien correcte, ça pourrait être final. Private linked list dot my list. Au constructeur, je vais passer la référence d'une liste, my list. Ici, je vais dire this my list est égal à my list. Je vais dire current est égal à my list, ma liste à moi, point head. J'ai atteint la fin quand current.next est égal à my list, point head.
Et quand je vais créer, quand la méthode iterator va créer l'objet itérateur, elle va lui dire, tiens, voici ma référence. Tu es un itérateur sur cette liste-ci. Est-ce que ça, ça compile? Oh! Ça compile. Je vous montre le code, là, puis je trouve un petit diagramme pour vous montrer l'idée. Ce que j'ai créé, c'est ceci. Je dis un itérateur, non seulement ça possède une variable d'instance current, mais ça a aussi une référence vers une liste. Si je décore un peu mon dessin à nouveau, si XS est une référence vers cet objet-ci, et qu'on a fait i est égal à xs.iterator, on a appelé la méthode iterator de l'objet désigné par xs, cet objet-ci. Lui a créé l'objet linkedListiterator, puis à son constructeur, il a dit, tiens, prends ma référence. L'objet a sauvegardé ça dans sa variable d'instance myList. Puis maintenant, notre code fonctionne bien. Nous, notre implémentation avait un nœud factice. Donc, quand on a dit current égale à head, en fait, ce qu'on a dit, c'est current est égal à myList.head. On s'est arrimé à la liste qui nous a créé, qui a créé cet objet de la classe LinkedListIterator. De la même façon, quand on a fait j est égal à xs.iterator, on a appelé la méthode iterator de l'objet désigné par xs. Il y a un objet de la classe LinkedListIterator qui a été créé et la méthode iterator a passé sa référence de sorte que on a pu sauvegarder la référence dans la variable d'instance myList. Je reviens sur le code. Alors, on va aller dans une version partiellement complétée. On va refaire l'indentation ici à nouveau. Re-indent. Alors, LinkedListIterator est une classe imbriquée statique. En plus d'avoir une variable current pour pointer à un élément, ça possède aussi myList, de sorte que quand un itérateur est créé, on sait à quelle liste il appartient. Imaginez que j'ai deux listes, j'ai L1, L2. Quand je fais L1.iterator, c'est l'objet désigné par L1 qui crée un objet LinkedListIterator et cet objet-là pointe vers la liste L1. Si c'est L2 qui appelle la méthode iterator, l'itérateur qui a été créé va pointer vers l'objet désigné par L2.
Là, on veut savoir si c'est rapide, cette affaire-là, parce que ça fait quand même comme... ça fait une heure que je vous parle de ça. Ça a besoin d'être rapide. Évidemment que ça aurait l'air fou si ce n'était pas vite. Hein? Donc, j'ajoute des éléments, je pars le chronomètre, je me crée un itérateur, je vais dans la boucle, je prends la valeur de temps à la fin, puis je calcule tout ça. On va faire Java test. On va utiliser la valeur de défaut. Wow! 100 000 éléments. C'était assez vite. 200 000 éléments. Oups! Pas mal vite. 400 000. 800. Oups! C'était 800. 1 600 000, c'est ça que j'ai là? Ouais. OK. Est-ce que j'ai la version qui a un petit bug dedans? Est-ce que c'est plus vite? Est-ce que j'ai la méthode addLast qui a un bug dedans? Attendez. OK, donc c'est rapide. Oui. Integral previous, before for an x, before. Ça pointe vers head. OK, je pense que j'ai la bonne version. OK. Tout à l'heure, j'avais créé une implémentation qui n'était pas qui n'était pas débuggée du tout. Celle-ci devrait l'être. Je vous présente des vrais temps de calcul sur une méthode, sur une implémentation débuggée. On obtient des temps de calcul qui sont approximativement les mêmes. On obtient des temps de calcul où on a la belle propriété qu'on cherchait à obtenir, que lorsqu'on utilise l'itérateur et qu'on double la taille de la liste, le temps de calcul double. On a ce phénomène-là qu'on cherchait. On voit qu'il est, c'est tellement performant qu'il est facile d'aller, on peut aller en fait à des tailles de liste qui sont très, 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 très grandes. Donc, ça marche. On a accompli ce qu'on voulait. On a créé un mécanisme que j'appelle des signets, des bookmarks, qui nous permet de retourner à l'extérieur de la classe un objet qui mémorise une position dans la liste. Chaque fois qu'on appelle sa méthode « next », l'itérateur se déplace et retourne une valeur. Tout ça est très sécuritaire. On n'a pas donné vraiment accès aux éléments de la liste. On a donné accès à un objet, linked list iterator, qui possède une méthode next puis hasNext. C'est un très beau mécanisme. Avez-vous des questions là-dessus? Oui. OK. Mais encore. Donc, je ramène ici. Donc, l'idée de l'itérateur est de retourner à l'extérieur de la liste . Ça prend toujours quelques secondes avant qu'ils veuillent bien discuter entre eux. OK, donc, chaque fois qu'il y a un appel à la méthode iterator, on retourne un objet linked list iterator.
ici. J'ai dit XS est une référence vers une liste chaînée. J'appelle sa méthode iterator. Ça me retourne à un objet de la classe LinkedListIterator. C'est un objet qui implémente l'interface iterator. Cet objet-là possède une méthode hasNext. Je peux lui demander, si je faisais appel à ta méthode next, est-ce que ça fonctionnerait? Donc, c'est là où ça va être vrai. Si hasNext me dit, oui, il y a d'autres éléments dans l'itération, j'appelle next, l'itérateur fait current égale à current.next, puis retourne current.value. Puis là, il attend. C'est la magie de la chose. C'est un objet. Il mémorise une position dans la liste. Il y a sa variable current, elle pointe là. Tant que je ne ferai pas un appel à sa méthode next, il reste là. J'appelle sa méthode next. Qu'est-ce que ça fait? Current égale à current.next, retourne current.value. Ça m'a permis de visiter chacun des éléments, un à un, de façon efficace. Chaque fois que j'appelle next, il se souvient, il est resté là. Il n'est pas reparti du début, il s'est déplacé, il m'a retourné une valeur. Oui? Est différent d'eux. Ah, je ne l'ai jamais utilisé. OK, oui. J'ai utilisé ici la version fonctionnelle. Ce genre d'idée-là où on a des objets, puis on voudrait qu'ils aient accès à des variables d'instance de l'objet extérieur, est quelque chose de fréquent en Java. Ce qu'on peut donc faire, au lieu de créer une classe statique, on laisse tomber le mot-clé statique, on appelle ça une classe interne, inner class. Comme on a une variable d'instance, a un sens seulement lorsqu'on a un contexte d'instance, une méthode d'instance, une méthode non statique, a un sens seulement si on a un contexte d'instance. Quand je laisse tomber le mot-clé statique pour une classe imbriquée, je peux créer des objets de cette classe-là seulement dans le contexte d'un objet de la classe externe. Et la beauté, la magie, tout le sens de ça, c'est que l'objet sera connecté automatiquement à son objet externe et aura accès aux variables d'instance. Donc, ça va ressembler à ceci. Je n'ai plus besoin explicitement de lui dire quelle est sa liste. C'est automatique. Je n'ai plus besoin de lui dire quelle est sa liste. Je peux accéder head dans mon constructeur, dans cette méthode-ci. Je n'ai plus besoin de lui dire quelle est ta liste. C'est automatique. XS.iterator, c'est l'objet désigné par XS qui crée l'itérateur. L'objet est connecté à l'objet XS. C'est YS qui crée l'itérateur. L'objet sera connecté à YS. OK, pour ne pas avoir de surprise, je suis peut-être mieux d'ouvrir ce qui est dans le répertoire D, qui est la version fonctionnelle. On va aller dans le répertoire D, Java C. Tout le monde qui est là. OK. Donc, ça fonctionne pour l'instant. On va ouvrir la classe test.
Donc ici, à chaque, pour voir un peu mieux ce qui se passe, je vais réindenter tout ça. Donc ici, on pourrait faire integer i system out print line i, puis on va faire i est égal à i.next. Ah là là, c'est constant value. Value est égal à i.next. On va afficher, donc ici il manque un petit point là. On va afficher value, on s'en va là. On va enlever ça. On va faire ça. Oui. Ah, system.out.println. On va regarder si ça compte. Est-ce qu'on est dans D? Oui, on est encore dans D, Java C. Ça compile. Là, évidemment, je ne veux pas exécuter ça avec 100 000 éléments. Je vais en faire 10. Donc, chaque... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à XS de me retourner un objet itérateur. Cet objet-là possède une méthode asNext. À chaque tour de boucle, elle me dit si je peux ou pas faire un appel à Next. Si elle me dit oui, je m'en vais dans la boucle, je fais un appel à Next, déplace, me retourne la valeur. Je l'affiche. C'est essentiellement ce qu'on vient de voir ici. Premier tour de boucle, ça m'a retourné 0, ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3. Ça m'a retourné chacun des éléments de cette liste-là. Cette fois-ci, les choses ont été connectées de façon implicite. Donc, si je réindente le code ici, OK, donc, j'ai une classe, elle n'est pas statique. Un objet de la classe LinkedListIterator peut seulement être créé à partir d'une méthode d'instance de l'objet externe. Ici, iterator est une méthode d'instance de la classe LinkedList. Peut créer un objet de la classe ListIterator et cet objet-là est implicitement connecté à l'entête qui est à l'extérieur de cet objet-là. Ces trucs-là, on appelle ça des classes internes, inner class en anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Java Wrench? Non? C'est un super cute, un site très, très cute avec des histoires. Donc, il y a une section du site qui est autour du feu. Puis là, les programmeurs se racontent des histoires. Alors là, ici, on a Attractive Object seeks that special someone for sharing thoughts, walks on the beach, drinking wine from a glass, subclasses and pets are okay, no statics. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les objets d'une classe non statique imbriquée sont connectés à l'objet externe qui les a créés. Ça se fait de façon automatique. Un objet externe peut avoir plusieurs objets internes. Ça nous intéresse, c'est ce qu'on veut. L'objet linked list crée plusieurs itérateurs. Chacun d'eux sont indépendants, ils sont tous sur cette liste-ci. Donc, un objet d'une classe interne, c'est-à-dire non statique, a accès aux variables et aux méthodes de la classe externe. Si vous regardez sur le site du cours, j'ai donné un exemple où j'implémente l'interface graphique de la classe Square avec un gestionnaire d'événements qui est une classe imbriquée non statique. OK, donc, ça ressemble à ça, l'implémentation. Je laisse tomber le mot-clé statique. Ma méthode next, parce qu'ici, j'ai une implémentation qui n'est pas doublement chaînée et qui n'est pas circulaire, a accès à head. Head, c'est la variable d'instance de l'objet linked list. C'est sa classe externe.
OK. Donc, les objets internes, inner class, sont connectés comme ça à la liste externe de façon implicite. C'est pour ça qu'on utilise les classes internes. Ici, on voit un exemple où si j'ai L1 et L2, des références vers des objets linked list. Si c'est L1 qui crée l'itérateur, donc L1.iterator, puis je dis I est égal à ça, l'objet est créé à cet objet-ci. Si je dis K est égal à L2.iterator, c'est une méthode dans l'objet désigné par L2, la méthode iterator, qui a créé cet objet-ci. Il est donc connecté à cette liste-là. Quand je fais k.next, dans ce cas-ci, il va embarquer dans cette liste-là. Oui, Gabriel. Non, inner class, ça veut dire pas statique. Ouais. Plutôt que d'utiliser statique, tu me dis? Bien, comme avant, on avait statique, on a décidé de l'enlever parce que c'est ce qui. Mais y a-tu comme un avantage à avoir statique en anglais? Non, bien, statique, comme dans le cas de Node ou LM. Est-ce que dans la classe LM, j'ai besoin d'accéder les variables puis les méthodes de la classe linked list? Non. Je le mets statique. Je préfère ça parce que imagine maintenant que j'ai une méthode merge. X1 merge X2. Je prends tous les objets qui étaient dans la liste 2, je les amène dans la liste 1. Si ces objets-là étaient non statiques, inner, ils se souviendraient qu'ils ont été créés par l'objet désigné par X1. Problème ici. Ils appartiennent maintenant à la liste 2, mais ils se souviennent de la liste 1. Si je modifie... Non, mais même, mais on ne pourrait pas la détruire, puisque les objets de la classe Node ou LM auraient une façon d'accéder à l'objet externe. Donc, le garbage collector ne pourrait pas le détruire. Donc, ça serait vraiment problématique pour moi d'avoir des objets LM qui auraient une référence implicite vers l'objet linked list qui les a créés, parce que là, dans l'évolution de mon code, de mon programme, il se pourrait que tout d'un coup, j'ajoute des nouvelles méthodes. Je me dis, hey, j'ai une idée géniale. LM a maintenant besoin d'accéder à la variable head. Ces LM-là, qui ont été capturés par X2, se souviendraient du mauvais head. Donc, vraiment, pour moi, il est clair. Les nœuds n'ont pas à accéder les variables et les méthodes de la classe linked list statique. L'objet itérateur a besoin d'accéder head. Je laisse tomber le mot-clé statique. Puis là, je démontre, wow, je suis en contrôle de mon Java. J'ai obtenu ma ceinture noire de Java. Ça marche. OK, donc ça fonctionne super bien. C'est rapide. Vous voyez que les temps de calcul se comparent. La machine Java virtuelle est vraiment incroyable. Elle fait des optimisations incroyables. On voit que le temps de calcul avec un itérateur ou être à l'intérieur est quasiment le même. Le coût associé aux appels de méthodes est vraiment négligeable. La machine Java virtuelle est vraiment capable de belles optimisations. Par contre, si je fais des appels répétés à GET pour le même taille de liste ici, là, où j'ai 11 millions de nanosecondes, ça me prend 4 heures. Si je doublais la taille de la liste, ça me prendrait combien d'heures?
Combien d'heures? 16 heures. Multiplie par 4. 16 heures. Si je multiplie par 2 encore, 4 fois 16, 64, 64 heures. Ça, ça ressemble à une semaine de travail, là, en génie ou en informatique. OK, donc, vous voyez, hey, c'est génial. C'est orienté objet, c'est super rapide, c'est super élégant. On a fait du bon boulot. L'alternative à ça, que je vais vous proposer au prochain cours, c'est la récursivité. Donc, vous pourrez juger qu'est-ce que vous aimez mieux, récursivité ou itération. OK, donc, c'est, je pense, pas mal là qu'on va s'arrêter. Puis, on reprend ça avec la récursivité mercredi.
Okay, you hear me out there? Sounds like it's echoing from my point of view. All right.